petite vidéo tutoriel coupé décalé. Il y a longtemps, on s'est pas amusé un peu. Appréciez le tout nouveau beat que je viens de fabriquer. Guitare rock, guitare rock. Écoute un peu la dernière guitare. C'est une guitare qui est vraiment framponnante, tu vois. Donc tu prends une guitare comme ça, dans Hypersonic. La guitare s'appelle Stratgrunge. Ok. Et après avoir pris cette guitare, on met les... On appelle ça des crash. Ensuite, tu mets des petites percussions. Tout, tout, tu vois. Maintenant, on met les petits, les claps. Donc, les claps, c'est basique. Tout le monde peut faire les claps. Télécharge gratuitement le pack dans la description. Un pack Afrobeat. Tu vas avoir des packs similaires à ce pack-ci. Et ensuite, des percussions. Tam tam. Tu vois, ensuite, il y a des grooves. Tu vois, tout, tout, c'est similaire à des tam-tams. Il y a aussi cet instrument-ci, c'est une basse. Boum, 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 boum. Très important aussi. Donc, j'ai mis cet instrument-ci. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc là, tout simplement, j'ai pris la même guitare, mais j'ai changé d'octave. Donc, au début, on était en B5 jazz. Maintenant, je suis monté en B5 aigu. Tu vois, ça sonne un peu aigu. Donc, tu vois, maintenant on a ajouté les chamisènes et puis on a mis des instruments un peu pour rendre le truc un peu intéressant, ok? Écoute un peu le chamisène. Donc chamisène hypersonique, tu prends chamisène. Tout simplement, tu disposes les notes comme j'ai disposé. Et tu verras que tu obtiendras ceci. On met les percussions. Petit clap. Deuxième percu. Tout, 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 tout. Tu vois? On met le groove. Ouais, après je mets les vibra stop. C'est une guitare que j'ai pris dans Simple Things. C'est avec cette guitare-ci que je fais les les octaves de plus haut. Tu vois? Voilà. Donc tu vois, tu prends cette guitare dans Simple Things. Voici le nom de la guitare en question. Tambandcam.
Tu vois, tu prends ça et puis tu framponnes. Maintenant, on remet la guitare rock et puis ça va un recousse-cousse. Donc, il manque quelque chose de puissant. Il s'agit des roulades. Ok, donc on active les roulades. Tu vois, très important. Donc, les roulades, moi je crée chaque pattern pour faire des roulades. Donc, c'est rien qu'un mélange de plusieurs instruments qui te permettent de pouvoir avoir une transition entre plusieurs parties du son, tu vois. Et pour un son coupé, décalé, ça embellit vraiment la puce, ça donne la puissance au son en fait. Tu vois qu'il y a des kicks. Ensuite, il y a des tombes. Ensuite, il y a des caisses, caisses claires. Tu vois? Et il y a quoi d'autre encore? La caisse même de la batterie. Donc, parfois, je mets deux à trois caisses qu'elles tapent au même moment pour apporter plus de puissance. Et j'ai mis des crashs. Voilà. Ok. Ok, maintenant il y a une partie qui est un peu rap façon. On va écouter un peu ça. Écoutez un peu la partie ici. Voilà, donc ici j'ai mis quoi? J'ai mis tout d'abord des percussions style trap. Après tu mets des claps. Donc tu mets crash. On va mettre la guitare aussi. Comme ça. Maintenant, comme c'est un trap, il faut mettre un kick pour donner un peu de la puissance. Tu vois? Ensuite, tu mets les hi-hats. Hi-hats. Maintenant, pour donner un peu d'une couleur à ceci, j'ai mis une mélodie de détune.
maintenant des 808 pour terminer ton son trap. Écoute ça. Ici, j'ai mis une tétune. Écoute un peu ce que ça fait. Donc si c'était tout pour cette vidéo, retrouve-moi sur mon site paulfavorbeat.com où je t'offre gratuitement une heure de formation sur Afrobeat, coupé décalé, Dombolo, Trap Music. Clique juste dans le lien dans la description ou sur le bouton qui apparaît juste ici. Comme ça, tu pourras télécharger gratuitement cette série de vidéos. Et aussi en bonus, je trouve des packs sons aussi dans la description. Clique juste dans le lien dans la description où tu vas voir mes outils pro. Clique dessus pour avoir un maximum d'informations pour télécharger gratuitement ces différents packs. Si tu as une question, laisse un commentaire. Si c'est, c'était Paul Favor. Ciao.